Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et je suis totalement dégoûté étant donné que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Oui, car en fait juste avant je me suis rendu compte que j'ai fait une heure de game commentée dans le vent, étant donné que je n'avais rien enregistré du tout à part ma tête. Ça aurait ma foi été certainement très intéressant. Je suis d'autant plus dégoûté étant donné que la partie d'avant j'ai fini troisième. Si si, je vous assure, mais ça personne ne le saura jamais forcément. Donc à partir d'aujourd'hui peut-être une mini-série qui commence. Je vais essayer de tester à peu près tous les jeux en .io qu'il puisse y avoir. Alors quand je dis tous les jeux en .io qu'il puisse y avoir, je parle bien sûr dagger.io, slitter.io, tamer.io, wings.io et récemment Dieppe.io. D'ailleurs c'est sur celui-ci qu'on va se pencher aujourd'hui. Alors pour l'occasion, si vous avez des jeux en .io à me proposer, bah mettez-les dans les commentaires et puis je les testerai. Ça peut être bien cool. Allez c'est parti, on va s'appeler moi. Alors avant de commencer, je vais bien entendu mettre mon casque. Mon casque qui ne sert strictement à rien étant donné qu'il n'y a pas un brin de sonorité dans ce jeu, mais c'est pas grave. Il est là. Allez, c'est parti, let's go, mon vieux. Alors, qu'est-ce que c'est, Dieppe.io? Ben, c'est des espèces de combats de tanks, qu'on peut appeler ça. Ouais, c'est des petits tanks. Donc, on reste toujours dans la lignée des Agario, Slitherio. Le but reste le même, c'est-à-dire niquer tout le monde et être le king dans le game. Mais, Dieppe.io a son petit truc à lui, c'est-à-dire que là, il y a un petit système d'XP. Un petit système de level up, comme vous pouvez le voir en bas de mon écran. Tout en bas... avec la barre jaune et en bas à gauche. Oh putain, c'est difficile de se concentrer avec toutes les boules qui arrivent autour de moi. Et donc le jeu est carrément super fun à jouer. En fait, pour monter les levels, au début, bah faut niquer les petits triangles que vous voyez, les petits carrés jaunes. Oh, je suis dégoûté parce que tout à l'heure, je vous dis, j'avais des triples canons de tous les côtés, mon vieux. Je butais tout le monde. J'étais troisième dans la game. J'avais 40 000 points, plus de 40 000 points, un truc comme ça. Et franchement, c'était énorme. Donc là, comme vous voyez, en bas à gauche, nous avons notre petite barre d'XP, quoi, si on peut dire ça. Non, plutôt la barre d'XP, elle est là. Là, c'est plutôt les compétences qu'on va mettre à notre tank. Donc là, je pense qu'on va déjà monter... qu'est-ce qu'on va monter? On va monter le damage de mes boules. Voilà. Alors, oh putain, dégage-toi. Alors, en parlant de tank, ça me fait penser à une petite blague que j'ai pas forcément faite dans la première partie. Vous voyez que ça a du bon de recommencer des fois. C'est un colonel qui dit à sa jeune recrue militaire, il dit « Soldat, ça sert à quoi une bombe ?» Alors, le soldat, il répond « À bombarder, mon colonel !»« Soldat, ça sert à quoi une mitraillette ?»« À mitrailler, mon colonel !»« Soldat, ça sert à quoi un tank ?»« À t'enculer, mon colonel !» Oui, il fallait que je la fasse. Tu me diras, ça reste dans le contexte, hein. C'est un petit peu des battles de tank. Je vais augmenter un peu les bullets damage. Voilà, c'est-à-dire que mes boules, vous voyez, hop là, là maintenant j'en jette une. C'est fini mon vieux, y'a rien qui résiste. Ah, sauf les triangles, ils sont un peu plus durs à détruire. Mais justement, dans le jeu, faut s'attaquer à tout ce qui est plus dur à détruire, car vous XP beaucoup plus vite comme ça. Putain, GG. Donc là, le but de la vidéo, c'est de finir minimum dans le top 10. Je dis pas que je vais finir premier, parce que vous allez voir que c'est quand même très dur. Alors, je peux d'ores et déjà vous dire que le niveau maximum dans le jeu, bah, c'est le level 45. J'ai testé tout à l'heure, et du coup, mon véhicule, il montait plus les levels. Oh putain, la boule qui est arrivée, mon vieux, celui-là, il doit être gros là-bas. On va éviter de s'y attaquer. Oh putain, dégage toi, dégage. Dégage. Alors ça, par contre, je sais pas c'est quoi. J'en ai vu tout à l'heure. Je pense que d'entrée de jeu, on va prendre le double canon. Ouais, yes. Ça, c'est bon. Alors, bien sûr, vous avez une barre de vie sur votre tank, hein, comme vous avez pu le constater. Tout comme il y a une barre de vie sur les autres et sur les petits objets que vous détruisez. Donc, les carrés jaunes et les triangles rouges. Alors, ce qui rapporte le plus d'XP dans les objets à détruire, eh bien, c'est les espèces de losanges bleus, je dirais. Et, oh, putain, je me fais défoncer. Voilà, c'est cela, là. Voilà, ça, ça XP bien. Alors, attendez, j'ai 12 points attribués. Je vais tout mettre dans le reload pour tirer un peu plus vite. Vous voyez que ça tire beaucoup plus vite. Et je vais en augmenter dans le mouvement speed. Comme ça, je me déplacerai aussi beaucoup plus vite. Vous voyez? Par contre, plus vous grossissez, bah, à la manière d'un Agario ou d'un Slitherio, moins vous vous déplacez rapidement. Ça coule de source. Dégage, toi! Regardez, il m'attaque, lui. Regardez comment il m'attaque, ce filou, là. Alors, malade, lui. Tiens, on va détruire les petits carrés jaunes, là, histoire d'XP un peu. Et franchement, ce jeu, ben, un peu comme Agario, Slitherio et tout, c'est très addictif, quoi. Moi, vraiment, je m'éclate là-dessus. Regardez-le, lui, on va l'attaquer. On va l'attaquer. Alors. Hein? Il est mort. Je crois que c'est pas moi qui l'a eu. Tiens, toi, t'es mort. Ouh, putain, regardez ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon pour moi. Je pense qu'on va mettre tout dans la régénération de vie. Parce que ça, c'est important. Après, on va augmenter notre barre de vie aussi. Ça peut être fort sympatoche. Regardez, ça, je prends. Ça, XP, c'est bon. Regardez-le, lui. Regardez-le, lui. Hein? Oh, putain. Oh, putain! Je me casse! Il est trop gros. Non! Oh, putain, il y a des boules qui viennent de partout, mon vieux. Je suis perdu, là. Regardez, lui aussi, il est perdu, là. Hein? T'es perdu, toi, mon coco, là. Hein? Oh, putain. Oh, non! Allez, vas-y, d'entrée, on prend le petit canon. D'entrée, on augmente les reloads. Impeccable, là, c'est parti. Là, je suis pas mal, là. Allez, vas-y, alors, toi, qu'est-ce que tu voulais tout à l'heure, là, hein? Qu'est-ce que tu voulais tout à l'heure, toi, là-bas, là, hein? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais monter dans le speed. On va tout foutre dans le speed. Voilà, là, je me déplace un peu plus vite.
Là, ça commence à être cool. Là, ça commence à être intéressant, voyez-vous? Après, ce sera encore plus intéressant quand je vais monter les niveaux. Parce que par la suite, il va me proposer des doubles canons, des triples canons, des je sais pas combien de canons, mon vieux. Il va me proposer d'en foutre partout des canons, tu vois ce que je veux dire? Tiens, prends ça! Alors, moi, j'ai la sainte technique, c'est-à-dire que je bouge comme ça et j'en mets un petit peu partout, tu vois ce que je veux dire? Comme ça, je défonce à peu près tout sur mon passage. Et puis c'est bien cool, quoi. Tiens, regardez-le, lui, hein? T'as peur, hein? T'as peur du Saint-Tank, hein? Je pense qu'on va augmenter dans la rapidité de nos balles. Vous allez voir qu'ils vont aller beaucoup plus rapidement. Vous avez vu? Regardez. Hein? Oh putain! Je vais prendre de la régénération de vie. Voilà, je vais mettre quelques barres dedans. Comme ça, notre vie va se régénérer. Ça, c'est plutôt cool. Putain, regardez les grosses boules qu'il lance, lui. Ils sont énormes, ces machins. Regardez, il me propose le triple canon. On va le prendre. Là, on commence à être bien. Alors, qu'est-ce qui se passe, les gars, hein? Et on est déjà level 31. Et on est toujours pas dans le top. Mais ça ne devrait tarder, bougez pas. Oh, regardez ça. Regardez ça, comment que je me régale, là. Là, on se régale. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la pénétration de mes boules. On va faire ça. Voilà. Comme ça. Là, regardez. Même quand je détruis un carré ou un triangle, la boule elle s'arrête pas en fait. Elle continue tout en pénétration, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est plutôt bien cool, quoi. Regardez, vous voyez, comme ça on peut avoir plus de trucs. Oh putain. Dégage! Dégage toi là-bas! Oh! Oh! Merde! Bon, me revoilà dans les scores. Là, sincèrement, je suis dans la partie là. Disons que je suis pas dans les plus mal placés. Me revoilà avec mon triple canon. L'attaque du triple canon. Et on va essayer de tout péter. Je suis au level 30. Je suis à presque 7000 points. Je suis à 7000 points. On va éviter de s'attaquer à des trop gros. Putain, non, pas ça. Ça, j'aime pas ça. Ça, je sais pas c'est quoi par contre. Ça doit être une compétence. Ça doit être des missiles téléguidés. On va prendre un petit peu en régénération de vie. Ouais, je pense que c'est des missiles téléguidés. Mais ouais, ça doit être une compétence. Mais pourquoi il s'en attaque qu'à moi, quoi? Pourquoi il s'en prend qu'à moi? C'est quoi ce délire? Oh non! Non, dégage! Putain, pas ces petites merdes là, hein! Ah, je vous assure que c'est la pression quand vous avez les petits triangles qui vous attaquent là! Je sais pas d'où ça sort ça, mais. C'est la pression, c'est un truc de malade, c'est super relou quoi! Surtout que bien souvent c'est à cause de ces machins là que je perds, alors je peux vous dire que c'est bien chiant quoi! Par contre, on est au level 37 là, on est franchement bien placé! Regardez, les revoilà! C'est lui qui les envoie là! Salopard! Ouh, toi là-bas! Regardez pourquoi qu'il s'attaque à moi! Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Lâche-moi! Je me barre! J'ai un point à donner, on va la donner dans la régénération de santé, encore une fois. Parce que ça, ça aide franchement bien. Oh putain, là par contre, il y a moyen de se régaler ici. Ouh, regardez-le. Lui, je vais pas trop m'approcher de ses boules, hein. Parce que elles ont l'air chimiques là, mon vieux, ou je sais pas, mais on va plutôt aller faire le fragile et se réfugier en bas de la map. Regardez, on est niveau 42. On est troisième de la game. J'avais même pas vu, c'est moi, hein. Allez, niveau 42, je crois bien que le niveau maximum, c'est 45, il me semble. Hop, on va prendre la petite triplette. Yes, ça c'est bon. On a la triplette. C'est good. Vous ne passerez pas. Et je crois que, regardez, on peut plus XP là. On est level 45. Allez, tu fais quoi toi là-bas là? Allez, recule. Regardez, je fais reculer tout le monde là. Recule toi là-bas là. Alors, tu veux te frotter au Saint-Tank? C'est ça? Allez, vas-y, va. Dégage. Je pense qu'on va augmenter. Voilà, si, on va augmenter ça. Impeccable. On va augmenter le max speed bullet. Ça, c'est cool. Ça veut dire que nos boules, elles vont encore plus vite. Alors, qu'est-ce qui t'arrive là-bas? Hein? Ça te les fait les pattes ou bien ça? Regardez, on va l'avoir. Hein. On va l'avoir, hein? On l'a eu! On est troisième! Ça, c'est cool. Par contre, viens ici. Non! Bah, non! Pas ces petites merdes qui spawnent de je ne sais où là. On sait même pas d'où que ça sort. On sait même pas qui c'est qui contrôle ça. Ça se trouve, c'est une invention de Satan pour me faire chier, mon vieux. Dégage! Non! Je me casse! Oh putain! On est dans la merde! Vas-y, régénère la vie là un peu là. Regardez, il le sait que je suis faible, hein. Il le sait que j'ai perdu de la santé, hein. Par contre, ce qu'il sait pas, c'est que j'ai mis le maximum dans la régénération de vie. Et c'est que j'ai récupéré quasiment toute ma santé. Ça, il le sait pas, hein. Alors, tu vas affronter le Saint-Tank? C'est ça que tu veux? Personne n'a jamais osé se frotter au Saint-Tank. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, ma barre verte, elle est redescendue. C'est quoi ce délire? Elle monte, elle descend, j'ai l'impression. C'est quoi ce délire avec la barre verte là? J'ai pas compris. C'est ma vie? Ou c'est pas ma vie? C'est pas possible, je suis à fond en vie là, non? Non! Bon, très bien, en tout cas, on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur Dieppe.io. Et par la suite, on testera un autre jeu en .io, pourquoi pas. Si ça vous a plu, mettez un petit like et pourquoi pas la partager. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!